Enlevez en fait tout ce qui peut vous plomber parce que, par exemple, sans arrêt d'aller voir des publications de bouffe toute la journée, vous ne vous rendez pas compte en fait. Mais quand vous êtes dans la nature, il n'y a pas tout le temps de la bouffe qu'on voit avec nos yeux. C'est tout con, mais moi là, je vous dis, pensez à du citron dans votre bouche. Tout de suite, vous avez la sensation de l'acidité du citron dans la bouche. Ça fait un truc là. Ah ouais, je pense au citron. Imaginez, vous êtes en train de le lécher et tout. Vous avez vu le corps, comment il est fait? Et vous sécrétez des trucs. Et quand vous regardez des publicités à la télé, des fils d'actualité Instagram, Facebook et qu'il y a de la bouffe tout le temps, vous sécrétez des enzymes. Donc, bah, vous allez réclamer de bouffer. Et toute la journée, d'être sur des réseaux sociaux, des choses comme ça. Et c'est un peu la même chose avec les corps fabuleux que vous voyez sur les réseaux. Honnêtement, allez réellement vous balader sur la plage. Allez me trouver des corps comme ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous les voyez sur Internet. Pourquoi? Parce que la fille, elle a fait une sèche où elle s'est restreinte en calories pendant je ne sais pas combien de jours et elle a plus ses règles et elle est dans une humeur massacrante. Elle a un photographe de fou avec une lumière de dingue. Elle a les retouches photos. Et nous, on est là en train de baver devant un corps qu'il est quasiment impossible d'obtenir naturellement et à long terme. Donc c'est ça aussi, il y a des choses que des canons de beauté, des trucs comme ça. Là où moi je suis OK, c'est je me sens pas bien dans mon corps, ça me gêne, j'ai des kilos en trop parce qu'il y a des trucs que je peux pas faire, j'ai une digestion qui va pas, tous ces trucs-là, ou alors j'ai des boutons parce que voilà, et ça me dérange. C'est des trucs physiques qui vous embêtent, mais si vous voulez un corps parfait et vous voulez un corps magnifique, moi je l'ai la recette hein, pour l'avoir. Hein. Je l'ai, hein. Mais par contre, vous allez péter un câble psychologiquement. Je ne vous donne pas longtemps. Mais allez, mettez-vous d'abord sous antidépresseur à la limite. Donc, si vous voulez ces corps-là, c'est possible. C'est possible. Mais à quel prix? Est-ce que vous êtes prête à mettre tout en œuvre pour obtenir ce type de corps? Parce que c'est du matin au soir. C'est à la calorie près. C'est au millimètre près. Il n'y a pas d'écart possible. Il y a l'activité physique qui est réglée et ils font chier. C'est dur, c'est des exercices de fou, c'est du cardio dans l'après-midi, c'est de la musculation, c'est toute la journée. C'est une hygiène de vie incroyable, en fait. Si vous voulez ça, c'est possible, mais faut payer le prix. Après, si vous voulez juste avoir une vie normale, pouvoir aller dans cette vie, faire des choses, être bien. Être heureuse, etc., faire votre mission de vie, avoir un compagnon, avoir des enfants, être bien, c'est OK. On sait ce qu'on veut. On veut avoir de l'énergie pour aller faire un petit peu de sport, pour aller marcher, pour se sentir bien dans sa vie, pour être épanoui. On n'a pas envie d'avoir le corps de rêve de je sais pas qui et puis au final être complètement exécrable et hors de la vie. Voilà, c'est faut bien comprendre qu'est-ce qu'on veut. Essaye plus de rester sur une visualisation de quelque chose d'atteignable, tu vois, et de pas aller vers un objectif, sauf si vraiment c'est ton objectif. Par exemple, Schwarzenegger, voilà, tous les jours de toute sa vie, il s'est répété qu'il serait Monsieur Univers. Et il a mis tout en œuvre pour être Monsieur Univers. Ce mec, il n'a pas dérogé une seule seconde à son plan alimentaire, à ses calories, à son entraînement. C'était un truc de fou et il a obtenu ce qu'il voulait. Donc, si vous voulez vraiment quelque chose en particulier, vous pouvez l'avoir. Mais il faut tout mettre en œuvre pour l'obtenir. Tout est possible. Mais après, est-ce que vous êtes prêt à payer le prix? Quel est le prix à payer? Ça, l'hygiène de vie, ne pas dépasser ses calories, aller au sport tous les matins, en chier et machin, c'est le prix à payer. Est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix-là? C'est ça qu'il faut voir. C'est très dur d'obtenir des corps comme ça. C'est très dur. Construire une masse musculaire, c'est très long. Ça fait, moi, 4 ans que je me suis mis à la muscu et j'y vais tous les matins. Tous les matins, je fais une séance de 1 heure quasiment, et ce n'est pas des petites séances. Ça demande une rigueur et j'ai obtenu, voilà, j'obtiens à peu près des choses correctes. Et je suis pas, voilà, moi je ne peux pas aller sur scène ou quoi que ce soit, mais de toute façon, ce n'est pas mon objectif.
Moi, ce que je voulais, c'était construire de la masse musculaire, être bien, me sentir bien, etc.